je suis Aloy, plus exactement Técamon, on se retrouve dans Horizon Zero Dawn, 48e épisode, et aujourd'hui on revient dans la revanche des monstres, des grosses bêtes, et on va voir ça, et merci à Anubis Guardian de me rappeler qu'il faut les démolir grâce au gel, c'est ce qu'on va faire, mais surtout il y a des poulets, ouais, et puis le temps change, il faisait beau tout de suite. On va voir. Et coucou à Bob, on va essayer aussi de prendre plus de plaisir. C'était la frustration d'un épisode, je manquais de temps. Alors, les mastodontes, voilà. Il y a deux mastodontes. Alors, il y en a un qui est abîmé pour une simple raison, c'est que... Hop. Si je pouvais... Ne tombe pas. Oui, oui, je ne sais plus jouer. C'est qu'il y a eu des bandits quand j'ai popé, et donc ils ont pastonné. Ils sont tous morts, les bandits, hein, les mastodontes qu'ils ont tués, mais... Ils ont tapé les mastodontes et un peu abîmé leur life. Je vais les éviter. Viens par là, mon coucou. Là, je vais gâcher, je vais tuer un coq. On va essayer. Bien joué. Par contre, cache-toi. On connaît maintenant leur nocivité, bombe électrique, gel. Son arme. Le poteau me protège. Excusez-moi, je baragouine n'importe quoi, mais... Ah ouais. Allez, on va leur mettre un coup de gel, le pépère. Oh là, oh là. On va même faire ça. On va lui en mettre une couche. Et surtout. Ah, voilà ce qu'il fallait viser. Très bien. Dessus là. Voilà. Mais je l'ai eu! Waouh, merci à lui, ce! Très bien! Et de 1! Oui, la vengeance. La vengeance est un plat froid. Qui se mange froid. Et le tech est pas encore froid. Ça va être chaud, mais on va y arriver. Bon. Petit point. Ils font quoi? C'est tout? Ok. Ok. Est-ce que j'ai le temps d'aller pécho les restes? Je ne pense pas. Alors, des grenades de gel, c'est super. J'ai de quoi en faire. Large. Ça change complètement la donne. Ok. Est-ce que j'aurais de quoi m'amuser un petit peu? Toucher. Ah, le v'là. Le voilà. Ou pas. Allez, allez, on te glace. Super. Excellent. Est-ce qu'il est encore gelé? Oui. Lâche-toi. Et touché. Est-ce que le pépère veut revenir?
j'aimerais bien. Alors voilà, à la charge. Bon, les grenades n'ont aucun effet sur moi. Allez, à l'abri. Ah il était nul lui hein. Attention. On va enlever un peu son armure. Et on va même le percer. Reste à faire. Et voilà. En avant. Ah oui. Ah, il faut bien l'exciter qu'il revienne. Oh là. À voir, hein. Heureusement que les poulets, les riffpattes ne viennent pas. Allez, on te canarde. On vise la batterie à l'arrière. On lâche pas sur le dos. Et voilà. Ah, mes deux premiers mastodontes. La douleur s'estompe. Et regardez qui arrive. Super. Non mais... Comment ils viennent après eux? Allez, on va te finir. On vise. Bon. Et le dernier. Salut mon bonhomme. Et voilà. Alors, c'est cool la vengeance. On va voir les cadeaux que ça donne parce qu'on a crafté des armes pas mal. On a tout dépensé pas mal. Éclat de métal. Haute patte, cœur de haute patte, coque d'écho bleu, à fil électrique, ça c'est bien, le fil, je suis assez content. Oh, il y a du violet. Alors, tissu anti-attaque à distance, résistance au gel, tresse de cristal, coque d'écho, très bien. Ouais, ça c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est qu'on a plus de médicaments et je peux pas le voir celui-là. Non, non, bah écoutez, on va laisser tomber. On refait le plein d'armes aussi. J'aime à nouveau les grenades. Eh ouais, faut pas grand-chose pour mon bonheur. Donc oui, hein, à chaque fois que je suis en stress, attaque, je bafouille beaucoup. Excusez-moi si le début était chaotique. Ah, puis reprendre comme ça direct. Sans jeu pendant plus d'une semaine, c'est toujours un peu compliqué. Ça m'aidera. Mais j'espère. Allez, on ramasse de tout. Ok. Et l'autre mastodonte était mort par où? Donc là, c'est de la canne. Il est mort par là. Voilà, il y a notre... Et mon poney est toujours là. Hein. Incroyable. On revient vers quoi? On voit là-bas la lumière. Ça, c'est cool. Étoile d'or, médecine, oui. Pour faire des grenades aussi. Encore une deuxième. Garde ça pour la route.
Alors, le deuxième mastodonte, tissu discrétion, 13%. Corruption, plus 42%. 13 de cristal aussi. Ok. Mais je prends. J'ai eu la chance qu'ils n'ont pas réussi à me désarçonner dans le rocher là-haut. Non, ça se ramasse pas. Allez, on refait notre pharmacie. Double fleur, double combo. Attends, qui ça? Où ça? Bon, là, il y a un petit renard. Puis on va aller looter les bandits. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Du givre lymphe. Ah, il y a des choses là encore, non? Un morceau de monstre. Quand je les ai détachés, ok. Clat de métal. Oh, comme il fait nuit, on a le temps de looter. Ça me repose un peu dans mon stress. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, j'espère. En tout cas, Aloy a besoin de savoir. Et ça, c'est important. Fouiller renard, oui. Bonne viande. Voilà. Je vois s'il y a du poisson dans la rivière. Bon, apparemment, c'est un torrent. J'avais oublié ce détail. Oh, mais regardez cette brume dans la nuit. Du soin? Non. Ça doit pas être ça. Plante ardente. Bon, les cadavres sont juste là, on dirait. Donc ouais, quand je me suis connecté, j'étais en train de préparer tout. Et d'un coup, j'entendais cogner. C'était incroyable. J'ai dit, ils vont venir vers moi. Vers du désert. Alors, un truc qui est assez difficile quand tu reviens sur ce jeu-là... C'est la troisième personne, je voudrais reculer la caméra, mais on peut pas. C'est l'habitude de jouer sur d'autres jeux comme Valheim en ce moment. Amulette ancienne. Bonjour Nelson. Ah ouais, le chat il parle là. Il rôde. En fait, dès que j'enregistre, Nelson vient. Et en général, il est pas content. Potion. Je crois qu'on a fini. Ouais, il y a des lumières au loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un grand front. On pourrait looter des choses sympas avec les grands fronts. Quand je les tuais? On peut toujours poser un piège pour rigoler. Ah, je ne sais plus comment je faisais pour les tuer. Ah si, ça y est, ça me revient. On vise des cornes. Voilà. Comme ça, il est mort. Puis on va pas gâcher, du coup... Ah bah, il s'enfuit. Bon. Voilà, on récupère le câble. J'ai besoin de marcher un petit peu. Hein. Puis ça va revenir. Pomme de gel, des bluettes. Pour plus tard. Pour plus tard, oui. Ok. Bon bah, écoutez, on va rejoindre le cheval. On va regarder un peu tous ces loots de bonus. On est suivi? J'avais l'impression d'entendre des sabots. Mais non. Et on va même faire une sauvegarde. Oh, et là? Rien d'utile. Alors, un tour dans notre inventaire, ça serait bien. On a ça en tenue. On va aller en artisanat, modifier armes. Bon, je crois que c'est des bonus vraiment... Anti-cristé, anti-gel, modification, j'en ai 48. En inventaire,
J'ai de la déchirure, très rare, 40%. J'ai le dégât. Ah, c'est pas mal ça. Corruption bonus, anti-attaque à distance 17%. De l'anti-feu à 27%. Le discrétion avec anti-feu et anti-attaque à distance me plaît beaucoup, le 15% là. Ok, on a trouvé. On y retourne, modifier tenue. Donc c'est là qu'on prend parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors ici je peux mettre deux modifs, il y a déjà des bonus de base. Là il n'y a aucune modif de base. À partir de plusieurs belles soirées de méridien de cuir, de pièces de machine, cette tenue offre peu de protection mais est entièrement personnalisable. Ouais. Donc, on a beau dire mais... Alors attends, parce que là on est sur du 16 anti-attaque et anti-gel. On va le retirer. Voilà. Et là, on va le retirer aussi. Donc, on a du 15 de base. Et on va rechercher la discrétion. Anti-gel, anti-feu. Discrétion anti-feu, anti-attaque à distance me plaît. Réduire les attaques à distance c'est pas mal. Et anti-gel, tu perds 1% mais t'as de l'anti-gel. Allez, on va faire ça. Non, c'est bien. 15 en discrétion du coup. Ouais, j'aurais pu augmenter ma discrétion. On a 23% de bonus en attaque anti à distance. C'est pas mal aussi quand t'es sniper. Je me pose la question si on ne doit pas augmenter la discrétion. On va essayer. Ça pourrait être marrant. Et là on est monté à 28. Par contre, ça pique un peu plus les dégâts quand on est touché. On va voir. Ouais. En compétences, nous avons pour l'instant 2 points. On pourrait augmenter aussi la discrétion. Profil bas. Voilà, c'est fait. Et en carnet, objet à collectionner. Il y avait des choses ? Oui. D'accord. Ici, c'est bon. Bien. Allez, poney ardent. On a donc fini avec ces mastodontes. Faut briser, c'est ce qu'on avait fait la dernière épisode. Allons fouiller la pile. Et avant, il y a quoi? Il y a un marchand, sûrement un chasseur. On va voir. Il fait nuit. Par contre, on y va cool. Et y a. Ah oui, je suis comme en armement. Voilà. Une lumière au loin. Ok, on va pas les énerver. On va discuter avec le PNJ ce qu'il nous veut. Et c'est un marchand. Alors je possède la fronde, crotal de l'ombre. Peau de lapin, peau de sanglier que je n'ai toujours pas. Arc de guerre. Dégâts minimes. Expédier des charges élémentales. Mouais. Ah oui, il me faut un cœur de dentiste que je n'ai toujours pas. Tout ça pour avoir une mission en plus, celle-ci. Avec 3 en modif. Ah ouais, non mais. Ça c'est bon. En fait, le marchand, il dit faut que tu prennes du lourd parce que tu vas aller dans du lourd. Tu vas en pleurer là. Le brise-flèche Ozeram, le cuir clouté, l'acier martelé, 30 anti-attaque, 1100 éclats, avec une tresse de cristal. Celui-là on l'a, on possède, on l'a pas celui-là. La chasseuse discrète.
cœur de cracheur boursouflé. Faudrait que j'en chasse. La forgeronne Ozeram. 50 pour l'électricité. C'est rigolo. Le blason Karja, lourd pour le feu. Ça, c'est ce qu'on possède. Anti-attaque. On va se le prendre en collection. On ne l'équipe pas. On le possède. Boîte de modification. On est radin, on prend le gratuit. Et maintenant, on va vendre un petit peu. Alors, tous les cœurs. On vérifie. Ça, c'est une tresse de cristal. Il en reste une, c'est cool. Haute patte, on va vendre celui-là. Ça rien de regarder des 36. Amulette antique, au revoir. Peau de renard. Lentille de cracheur. Elles ont pas toutes les formes. C'est assez marrant parce que je regarde, c'est pas des montres. Os de dinde, au revoir. De renard, au revoir. L'os de cochon, on le vend. Attends, ça c'est du brouteur veilleur. Un petit morceau de viande. Ah oui, alors du fil électrique par contre c'est cool. On a 124. J'en avais acheté pas mal. Capacité 65, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? La fronde Karja. Voilà. Écoutez. Est-ce qu'on laisse notre cheval ici? Les coureuses. C'est méchant les coureuses? Je ne sais plus si c'est méchant les coureuses. Carnet. Grand front. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les béliers? Ok. En fait, c'est leur corne, leur faiblesse. C'est stupide ce que je fais, parce qu'elles arrivent toutes fâchées. Ouh. Mais ça va m'échauffer, j'ai besoin. Ah oui, en plus il tape de l'arrière. Non mais il tape pas le droit. Encore une. Oui, encore une, allez viens. Ah c'est cool, le troupeau vient pas. Ah oh, du loot. Ouais, ça reste gérable. Du calme, du calme. Pourquoi cette musique angoissante à chaque fois? J'aurais presque envie d'y aller à pied, mais... plus par des bêtises que par défi. Ah non, elle s'enfuit vraiment. Hein. Ils veulent pas venir. Bon. Et j'ai l'impression de deviner des structures là. Je crois que vous avez marre d'attendre et on va y avancer. Allez. Oh si, attends. Bonjour toi. Ah bah voilà quelqu'un de courageux. Oh, une corde en moins. Bravo à toi. Ah, belle chasse.
J'avais essayé de les conduire une fois, c'est infect. Je trouve. Bien. Oh, le froid me picote. Mais non. Est-ce qu'on peut perdre des points de vie? J'ai jamais été gêné tellement. Hein. Ça tient pas compte de ça en fait, je pense pas. Alors, on fait le plein. Tout est bon partout. Et on va faire un truc sympa. J'aime bien voir quand même où on va le jour. Parce qu'il neige, on voit pas grand chose. On va changer l'horaire. Le chrono, voilà. Alors, vers quoi on arrive là? Donc c'est vraiment une sorte de building abandonné. On voit qu'on peut monter à l'étage. Il y a ce truc avant là. Excusez-moi, hop. Est-ce que ça rend bien? Oh, on pourrait prendre la photo de la vignette là. Ok, on va la prendre autrement. Et sa gueule en plus! Allez, on prend le temps. Donc, on va remettre comme on aime un peu plus de jours. Ou alors. C'est la question, comment veux-tu prendre un beau cliché? Ah là, ça me semble bien. Et on va chercher le filtre du coup. Quelque chose qui ressort bien avec la neige. Bon, il n'y a pas à dire. Elle peut pas me regarder. On va faire plusieurs clichés. C'est shift pour monter, je ne savais plus. Il n'y a pas de créature par là. Hein. Ah, j'avoue que c'est pas mal ça aussi. Bien. On reprend. Quelqu'un me parle, hein? Quoi ça? Truand, fanatique. Ah oui, non mais il y a des gars. Écoute, on va laisser le petit père ici. Et on y va. Moi j'ai envie de voir ce qui se passe, pourquoi, qui, comment. Qu'est-ce qu'il garde dans ce bâtiment? On dirait un truc d'aéroport, quoi. En fanatique. Il n'y a pas de prisonniers. Ils sont quatre. Je vais me montrer, t'inquiète. Et là on a quoi? Machine détruite. Et derrière nous, pas de mauvaise surprise. Apparemment non. Est-ce qu'on peut voir le type? On verra que oui. Et de 1. Il y a mieux à faire. Ah, mais il y a même quelque chose là. Ah oui, il y en a un qui est caché là. Ouais, ton pote est mort. Alors qu'est-ce qu'ils font? T'as vu ça, Nelson? One shot, en pleine tête. Et voilà. On fait attention aux coureuses quand même, on va les marquer au cas où. Et on va les fouiller ce camp de sbires. Voir ce que c'est. En plus, il était au bord du chemin. Il avait raison.
Bon, mes points de vie ne descendent pas, je saurais ça. Sculpture antique, bracelet, anneau, couronne. Merci. Ici, on retrouve un petit peu nos poneys. Alors, ce qu'on pourrait faire quand même, pour rigoler. Flamber. Rien ne pourra passer. Allez, osez. Bien. Je te vise juste les cornes. Où est l'autre? Allez, venez, venez, venez. Ah oui, ah c'est dommage. Et voilà, la pêche est bonne. Ah ça j'adore. En fait, il reste plus qu'une coureuse, hein. Combien de temps mon cheval va être piraté? Je ne sais pas. Je prends vraiment mon temps en fait, hein. Là j'apprécie. On entend grincer. Je sais qu'il y a une mauvaise nouvelle derrière, j'en suis certain. Ah, il y a un galopeur qui est... Bah c'est le mien, non? Oui, c'est le mien. La structure grince. Ça y est, je vais pouvoir filer. Ouais, attends, on va quand même fouiller ces gars. Qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour qu'on s'arrête là? Boîte de ravitaillement. D'accord. Et alors ça, surtout. Voilà, une odyssée sans destination. Paris, 7 juillet 2057, des funérailles d'un navire obsolète. 25 personnes de 5 nations différentes se tiennent devant les bureaux d'Odyssée AEO. Les mains solennellement posées sur les hanches ou tendues le long du corps. Certains sont des politiciens, d'autres des hommes d'affaires. Quelle différence de nos jours, on s'en fiche. D'autres encore des scientifiques. Lentement, Gerhard Weiss monte sur l'estrade. J'ai le regret de vous annoncer qu'à compter de ce jour, l'Odyssée n'est plus. Ce qui subsiste du vaisseau sera abandonné en orbite. L'ensemble du personnel récupérera ses indemnités de licenciement et leur contrat sera terminé. Malheureusement, le meilleur espoir d'un futur extra-planétaire pour notre espèce n'a pas pu s'affranchir des conflits terrestres humains. Monsieur Weiss soupire, les innovations que nous avons initiées permettront peut-être d'améliorer la vie des générations futures. L'avenir dira, ah, alors attends, c'était pas notre monde de départ, ce serait une colonie humaine? Ah. Oh, un marqué ça. Oui, hein, aujourd'hui, papillonnage total. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver. Verre de ressources. Et ici, ok. Ce que je vous propose, je vais faire une micro-pause de transition. Juste le temps de voir que la vidéo tient la route. Ça fait déjà quand même 33 minutes. Et on se retrouve tout de suite après cette page de pub. Allez, Aloy, détends-toi, c'est juste le froid perçant, comme dans Snowpiercer, la série du moment. C'est une très bonne série d'ailleurs, ce train. J'avais un doute au début sur Netflix en la regardant, et j'ai bien accroché. Bon, alors, on a tout fouillé. Très étrange, très étrange. On va retrouver notre monture. Deuxième partie de l'épisode, on va s'approcher du point numéro 1 où il faut fouiller les ruines. Ah, on est arrivé, hein. On est arrivé et on va même faire un peu de récolte. C'est le luxe de la détente. On a quoi là? Plein de métal. Il y a un renard. Il y a un porky. Ça c'est bien. Viande, ok. Ça c'est des cannes. Et le jour se lève. Ah, on va apprécier enfin. Pareil. Pas le choix. Est-ce que... Ah, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. On va se mettre à sa place un petit peu. Est-ce qu'elle peut tourner la tête? Non, elle veut toujours pas.
va se mettre comme ça. Est-ce qu'on descend? Et photo. Ouais, j'ai besoin, j'ai vraiment besoin. Vous savez, ça fait partie du plaisir du jeu. Bon, on a de la place dans l'inventaire, on y va. Peut-être des corrupteurs, des machines, je ne sais pas. On avance serein. Débris antiques, colis antiques, bracelets, car on voit des clés quoi. Ah mais il est là lui. Mais non, juste pas ta corne. Le problème c'est qu'il a tapé mon cheval, je suis pas d'accord. Mais meurs. Voilà. Je suis désolé, il faut que je finisse une chasse, hein, toujours. Allez, hu. On fait quoi? C'est que ça, on avance de 10 pas à chaque fois, j'ai toujours un truc à faire. Non mais... Voilà. Oui, la coureuse. Oh, un noyau. Alors, bien. Découverte d'un feu de camp. Ah. Fouiller la pile d'équipement, fait. Oui, il l'avait dit. Ouais. Ah oui, c'est vrai, quelqu'un nous parlait, c'est vrai, dans notre oreille interne. Éclat de métal, bobine de dégâts. Oh. Il a plutôt bien choisi. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Artisanat, modifier les armes. L'arc de chasse que j'utilise beaucoup. Ça pourrait être bien. Déchirure, feu et dégâts. Alors déjà, on va retirer celle-là. 37% de dégâts. On va la mettre. Ici, de la déchirure, on va retirer. On a vu qu'on en avait une très bonne. Et là, on a quoi? Feu. Et du maniement à 18%. Ouais. Je crois que c'est bien, là. Rejoindre les ruines. Voilà. Et le feu de camp est là. Et les ruines... L'étape numéro 2, je la vois pas. Par contre, il y a une zone corrompue ici. Et ici, on a un réceptacle antique. Ya! Allez! La fin du monde ou la fin du créateur? Ah, mais il est là, le feu. Ouais, mais il est en vert. Je revérifie. Ouais, il est activé. Il est activé. C'est la merde. Les veilleurs corrompus. Qui servent de garde. Voilà. L'éclipse et les machines corrompues qui travaillent ensemble. Non, mais je suis à cheval, les gars. Vous avez aucune chance. J'ai décidé de vous tuer à poney. Essaye de me suivre à cheval. Ils sont tous là. D'accord. D'autres candidats? Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'être un peu plus à l'aise pour tirer. Y aurait-il un bonus de dégâts? Personne sur le comté. Tiens, attends, lui là. Oh, je t'ai vu, toi. En pleine tête. Il y a un autre copain, on est d'accord, hein. Tiens, le v'là. Ah mais c'est incroyable! C'était prévu ça? Les pillards ont pris tout ce qui avait de la valeur depuis longtemps, tout sauf les antiquités enterrées ici. Attends, il en reste un truand? Oui, il en reste un! J'aimerais bien toucher. Pas eu le temps. Ouais, il semblerait quand même.
On va scanner. Tu peux rester là. Tu peux rester là. Il semblerait qu'on va s'éclater ici. Moi, j'aimerais voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'on peut grimper? Non. Oui. Je vais pas gâcher des grosses flèches. On va tuer du rat. C'est toujours bon la viande de rat. C'est nutritif. Qu'est-ce qu'on a là? Dans tous les cadavres. Est-ce que j'ai quelque chose en hauteur? Alors c'est souvent les projecteurs qui sont en haut. Un réceptacle, ça peut être au sol, ça peut être... La neige est blanche comme des ossements. Ah ouais. Je crois que j'ai des idées noires. Mais non. Ah ouais, je suis sûr qu'il aurait mis en zone corrompue. C'est possible. Est-ce qu'on peut sortir par là? Non. Est-ce qu'on peut grimper? Alors évidemment, si je vois évidemment une balise jaune pour grimper, je la prends. Je n'en vois pas. Là on peut pas. Ici on grimpe pas. Ah c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un point de vue en haut. C'est sûr qu'on peut pas grimper. Non, on va pas insister. Allez, on ressort. Attends, il y a tout un tas de débris là. On peut passer. Non, même pas, on n'a pas le droit. Débris antiques. Feu de camp, oui. Un petit rat. Je pense pas, non, je vois rien. Je vois rien du tout. Les débris antiques, à la limite, on s'en moque un peu. Bah, ils sont juste là. Tiens, comment ça se fait que j'ai pas d'empreinte dans la neige, moi? Ah bah c'est bon, je l'ai eu le réceptacle, ok. Allez, on y va. Comment ça se présente? Touchant de ruine. Ah, je pense vraiment que je peux te laisser là. Au pire, si je te perds, c'est pas grave. Écoute, mon brave galopeur, je te remercie. Et je te dis à la prochaine aventure. Même là, c'est chouette. Oh là là. Vous trouvez pas que c'est chouette? Bon, c'est vrai que j'ai tué plein de gens. Pour la photo, ça gâche un peu. Ah ouais. Oui, non, celle-là n'est pas utile. Allez, on va looter gentiment. Ça coûte très cher. Très très cher, j'en suis certain. Cœur de veilleur. Ah, ils sont tous au sol, mais nous on va peut-être passer par-dessus. Oh, il y a des peintures. Il faut aller là-bas à 138 pas. Très bien. Caisse de ravitaillement. On irait partout. Allons-y. Ouais, j'aimerais grimper au-dessus. Allez, on va prendre la passerelle. Ces sites de fouilles. Ils sont immenses. Ah mais est-ce qu'ils vont trouver des grosses bêtes à nous embêter alors? On va jeter un œil là. Je trouve que je les ai poutrés facilement, hein. C'est inquiétant. Sniper, bah quand même. Après j'ai augmenté une bonus de dégâts, c'est vrai. Alors vu de où? Tu vois, il n'y a pas grand-chose. Bah, on va continuer, hein.
Rejoindre les ruines, on y est. Oh, j'aime pas ça. Oh non, 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 non. Dans l'arène ? Il veut que je passe par là. On y va. J'espère que c'est que les structures métalliques, hein, que c'est pas un T-Rex encore. Je les aime pas, ces bêtes-là. Toutes ces ruines, que pouvaient bien faire les anciens ici ? Voir, c'était un champ minier. Bonjour. Au revoir. Ah, il était tout seul. Il était comme ça, lui. Oh, il y en a partout. Alors, on a veilleur corrompu. Corrupteur. Non, mais... Oh, il y en a partout, partout, partout. Dis-moi que j'ai quelque chose pour m'aider. Surtout le corrupteur. Oh la merde. Attends, j'ai même pas une arme. On n'a pas le choix, hein. On va la jouer fine. On va la jouer très fine. Allez, on blinde. Bon, c'est fragile au feu, ça ? Non, non. Fragile à la mort. Ouh, salut toi. Un corrupteur. Eh oui, non, mais on les aime. Compliqué. Mais non, pas compliqué. Chiant. C'est pas pareil. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, allez. C'est pas comme si on avait mal et que tout allait mal. Cours à l'œil. Allez, cours. Voilà. Non, mais tout va bien. Je gère, je gère. Attends, toi. On va le remarquer. Je l'ai. Non, si, si, tout va bien. De toute façon, dès qu'il meurt. Quand tu penses que j'avais une trouille bleue de ce truc là avant. Qu'est-ce qui peut l'abîmer? Qu'est-ce qui peut l'abîmer? Bah, les explosifs, ça! Une explosion. C'est bon? Il est mort! Ah, il est mort! Ça a marché quand même. Et il vaut mieux prévenir. Prévenir. Allez, concentre-toi. On va refaire. Ils arrivent. Ou pas. Oh, mais si. Oh, merci, la cible. Je dois être plus près pour faire. Qu'est-ce que j'ai fait?
Va pas dans mes câbles. Ah bah attends, on va le finir comme ça. Ouh. Tiens, en voilà un autre. Viens ici. Voilà. Après, c'est petit, hein. C'est rien du tout, c'est un signal d'alarme. C'est une télé. Alors. Toucher. On appelle ce patron à ton côté. On reprendra le contrôle de Méridien. Oui. Ouais, ce patron pas avec vous. Allez, on le fouille pendant ce temps-là. Des éclats. Potion, on prend. Non, il est pas là. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle se traîne? Non, c'est bon. Pack de déplacement, ça sert plus à rien, mon tech. C'est pas un travail pour un soldat. Ah mais je me demandais où il causait celui-là. Hein ? Salut ! Ah le bonus de pourcentage de dégâts à 42. Excellent. Et non, tu vas mourir. Voilà. Bon. Est-ce que la zone est pacifiée ? Ouais, il semblerait. Finalement, on a géré, par miracle. Donc c'est vraiment le copter. J'avais peur d'une grosse bête, mais le copter, ça va. Dit le tech, ayant eu peur la première fois. Aïe. Ok. Non, non, on veut vraiment des réponses, on lâche pas l'affaire. Il neige fort, tout devient blanc. On loot. Rejoindre les ruines. Oui, mais on va les rejoindre. On a quelques obstacles, c'est tout. Ah, par là. Il faut rentrer dans la grotte. Je ne veux vraiment pas aimer ça. Ah, il faut aller là-bas. Ok. On peut passer. C'est la musique qui me stresse ou il y a vraiment quelque chose. Non, on a nettoyé ce camp là. Ruine antique, puisqu'on avait comme ça un réceptacle, ravitaillement. Quoi ? Mais c'est la musique qui est terrible. Ah, et puis il nous le donne. Non, sérieux. Et voilà. Le réceptacle antique de métallurgie. Ébréché, jadis chéri par les anciens, il porte l'inscription métallurgique internationale. Les collections de réceptacles antiques peuvent être échangées contre des récompenses précieuses. On verra un jour. Donc ça c'est bon. C'est pas normal ce que j'entends. Le porte-mort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, ce dont on a vu. Le porte-mort, cette joyeuse chose, est une tourelle de combat, enveloppe externe rigide, destinée à protéger les muscles synthétiques. Plateforme d'armement ancienne, récemment déterrée, a été conçue pour offrir une puissance dévastatrice, sujette à la surchauffe. Faiblesse à tout, la tourelle de canon, bah, je crois qu'on va la péter en premier. Tige de refroidissement. Noyau. Lance-flamme, allez. Lance-grenade. Aération, tourelle. Lanceur multiple. Stabilisateur, ok, toile de canon lourd.
Est-ce qu'on a un feu pour sauvegarder avant de mourir? On a un feu là. Je vous résume, petite transition, je vais sauvegarder et on se retrouve tout de suite. Très bien les amis, il est l'heure de voir si on peut survivre ou mourir. J'ai presque pas de soins. Aïe. En artisanat, ça serait bien aussi d'y penser. Piège et potion. Voilà. Oh, je suis au max. Qu'est-ce qu'on avait comme potion aussi, piège, potion de résistance au feu? Ça me semble bien ça. Ouais, mais ça dure combien de temps? Allons voir ce porte-mort de toute façon. Ah, puis c'est temporaire. Oh la vache. Une explosion. Si j'avais moyen de monter là-haut et de le tuer. Je suis où tu voulais que je sois avant de mourir. Non mais c'est dégueulasse. Je vais vraiment devoir l'affronter. Caisse de ravitaillement. Quel moyen on a de survivre ici? Pas grand chose. Je serais un coquin. Je mettrais une défense électrique. Ah oh, mais non, je l'ai mis n'importe comment. Allez. Oh l'engin de mort. Mort dont m'a parlé Olin. Ouais. Mais je vais bien. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. C'est ce que je pense aussi. Et pour ça. Autant aller dans le tas tout de suite. Mon focus. Il fonctionne plus. J'ai désactivé son focus. À toi de jouer maintenant. Je m'en occupe. Ah bah oui, mais. Dans ce cas, il faut poutrer les mecs. Ah il recrache de la vapeur. Je me demande si c'est son point faible. Est-ce qu'il y a moyen? Mais oui, il y a moyen. Il y a moyen. Allez, avance. Avance, c'est pas grave. Non mais comment il est en train de me mitrailler là? C'est lui là. D'accord. Je l'ai eu ou pas? Je l'ai eu. Voilà, cool, 2 secondes. Est-ce que ça offre une protection suffisante? Attends, on va essayer de le faire autrement. Voilà, et on va. Oh punaise. Avec un peu de chance, on a trouvé le moyen de tirer. Mission classique. Je
Je crois que les caisses nous protègent, on a trouvé une solution pour le vaincre. Non. Le coup l'a vraiment affaibli. C'est tout. Sérieux. Alors, c'est qui le meilleur? Voilà. J'en reviens pas. C'est gros, mais c'est faible. C'est bien. Est-ce que je suis déçu? À moitié, je pense avoir un combat épique. Alors, est-ce que j'oserais vous mettre une miette? Le porte-mort. Ouais, le porte, pas grand-chose, finalement. Du bout de coco. Il y a toujours la musique de combat, par contre. Oui, partez. Scan généralisé. Je vois perdre d'autres adversaires, hein, c'est bon. Ah si, si, si. Homme au loin. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir t'avoir? Bon. On va l'attendre. Allez. Et voilà. Je pense qu'en console, c'est bon. Ça doit être l'enfer. C'était pas de tourpeau. J'avoue qu'avec le PC et la souris, c'est quand même nickel. C'est officiel, l'éclipse. Ah, mon Nelson. Voyons ce qu'il y a dessus. Je suis d'accord, on va looter. Ah, ça fait plaisir. C'est qui? Voyons ce que tu as à me dire. Ah oui, on va pirater les données. Quoi? Qu'est-ce que c'est? L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est l'IA qui parle. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ah, il était prêt à te tuer, hein. C'était quoi ce truc? Hadès? Hey! Mystérieux étranger! T'as vu ça? Pas de réponse? Bah voyons. Tout est de plus en plus bizarre. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la tour. Allez, on va le fouiller. Anti-électricité plus 26%. Anti-feu 27. Bobine électricité. Oui. Pas du trésor extraordinaire. Hein. Il faudrait continuer dans la grotte. Très bien. Il neige. Ouais, il fait pas très chaud par ici. On va vérifier notre matos, artisanat. Qu'est-ce que j'avais comme bonus déjà? Discrétion. On va garder la discrétion, j'aime bien. Pour l'instant, on verra après. Après, c'est vrai que celui-là... Anti-feu... Ouais. Allez, ils veulent qu'on rentre dans ce tunnel, à mourir. Ok. Par contre, j'aurais voulu des plantes de soins, si c'est possible, ce serait super cool. Ou on va voir si on peut en crafter, mais je crois que c'est mort. Ouais, c'est mort de chez mort. Et ma protection juste, de feu... Je peux me faufiler. Allez, c'est parti. Attention, identifiant. Encore. Excellent. Encore un de ces trucs. Identifie-toi à l'œil. Et alors? Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Attends, elle se serait clonée dans le futur? Tu y crois à ça? Très bien.
Les gravats sont examinés. Chercher des informations au sujet d'Elisabeth Sobeck. Waouh. Ça me semble super intéressant. Mais écoutez, je vais vous frustrer. Je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui. Les réponses dans le prochain épisode. Ah, c'est dégueulasse. T'as pas le droit. C'est vrai, vous voulez en voir plus? Gros épisode du vendredi. Allez, je suis d'accord. On va se rattraper par rapport à la dernière fois. Je continue tant que je peux. Docteur Sobeck, bienvenue. Merci. Vous êtes en retard de 355 510 jours pour votre rendez-vous avec Monsieur Farou. Veuillez monter au 35e étage. Quoi? Wow! 350 000? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli tomber. J'ai failli mourir le plus bêtement possible. Et aucun indice, évidemment. Donc il faut vraiment y aller. Là, on peut pas composer un code et dire tiens, viens. Non, tu veux pas. Tu ne veux pas. Ouais. Il y a une échelle. Eh ben, allons-y. Est-ce qu'on a une map? Ok. Nous, on doit aller au bureau d'El Faro. Ah là là, tout ça. Ah si, ce sera au prochain épisode, c'est pas possible. On prendra le temps de fouiller. Allez, je vous remercie, c'était Tekamon. Mais là, ça commence à être colossal et ça va être trop long. Et je vous dis à bientôt à tous. Salut à l'œil.